Ça m'a pas dépensé de. Ou elle m'a convaincu de continuer à pratiquer. On en connaissait beaucoup plus que mes sœurs qui étaient à l'école des filles libres. C'était forcément, ça influence aussi notre comportement dans la vie et notre façon de voir. Je m'interroge souvent de savoir comment elle perçoit cette agitation autour d'elle, de là-haut du ciel. Léontine, une femme libre, une laïque, baptisée, confirmée, disciple missionnaire, et en elle, il n'y a pas une once de cléricalisme. C'est une magnifique disciple missionnaire qui doit réjouir le pape François le jour où il la connaîtra. Comme le bon Dieu voudra.